Alors, nous avons le privilège de recevoir le docteur Dominique Parrain, neurologue, qui exerce dans un centre antidouleur à la Clinique de l'Europe à Rouen et qui a développé à partir de la machine de l'RTMS dont on a parlé tout à l'heure avec l'orateur précédent, a développé une technique non plus localisée au niveau du cerveau, mais en périphérique, c'est la stimulation magnétique périphérique, avec lesquels il traite le cerveau. Alors, il n'est pas le seul, parce qu'effectivement, il y a à Lille, à Toulouse, j'ai vu, à Lyon, et il y a des gens qui utilisent cette technique également dans les douleurs pelviennes. Il y a une étude en cours sur Toulouse, je crois. Il y a une douleur périnéale. Voilà, il y a différentes études qui sont lancées avec cet appareil. Ce n'est pas validé pour l'instant, donc ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. Il n'y a pas de cotation. Généralement, à Bordeaux, chez nous, on en fait, après avoir été formé par le docteur Parrain, mais c'est compris dans le forfait journée de l'hôpital. C'est compris dans un forfait complet. Donc le problème actuellement, c'est la cotation de cet appareil. Alors j'ai appris que sur Paris, il commençait à en avoir un à Saint-André. Quelqu'un, un participant m'en a parlé. Voilà, donc je te laisse la parole. Non, puis ça se fait plus ou moins dans la plupart des CHU, hein. Enfin, de façon un peu différente. En fin de compte, d'abord, je suis content de communiquer avec les gens qui sont spécialistes de l'élève dans l'autre. Moi, je ne connaissais pas du tout, hein. J'étais un peu autodidacte, hein. Mais en fin de compte, l'élève dans l'os m'a fait comprendre ce qu'avaient mes malades, la physiopathologie, et moi, ce que je faisais avec ma technique de stimulation. Mais d'un autre côté, peut-être que je vais vous faire comprendre de façon un peu plus précise certains des symptômes de l'élève dans l'os, par exemple, comme la fatigue, par exemple. Enfin, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je vais vous raconter un peu l'histoire. J'étais responsable du service de neurophysiologie au CHU de Rouen, hein, j'étais neuropédiatre. J'ai acquis une première machine de stimulation magnétique avec une bobine ronde, hein, comme celle-là. Il y avait ça qui existait à l'époque, en 95. C'était un outil diagnostique qui permettait d'évaluer la voie motrice. C'est-à-dire qu'en gros, vous mettez ça sur la tête, comme ça, pas pour prendre la douche, hein, mais. Donc, il y a un condensateur qui vide dans la bobine, ça fait un champ magnétique, ça stimule, ça crée des courants circulaires dans le cerveau, et quand le courant passe par les voies motrices, ça fait lever le bras et la jambe. Bon, voilà. Donc, quand il y a des patients qu'on m'envoyait de neurochir, de pédiatrie, de neuro, qui se trouver paraplégique, par exemple, en chaise roulante, brutalement. C'est souvent très rapide, ces malades, ils tombaient paralysés, ils allaient au CHU, on voyait que tous les examens étaient normaux, et on me demandait d'évaluer la voie motrice pour essayer de comprendre. Et quand je voyais que chez certains patients, les réponses étaient strictement normales, alors là, c'est l'incompréhension. Qu'est-ce qui se passe? J'ai eu cette idée. Toute simple, de se dire, je vais remettre un peu la machine en route. J'ai stimulé plusieurs fois sur la tête, j'ai stimulé les membres. Je vous montrerai, il y a un article publié dans Movement Disorder, qui est une bonne revue de neurologie, sur 70 cas. Parce que dans 80% des patients, j'arrivais à les faire remarcher et courir. Mais je ne comprenais pas ce qu'ils avaient, je ne comprenais pas ce que je faisais. Je me suis aperçu que, voilà, par exemple, cet enfant-là, il ne peut plus marcher, il était tombé d'un toboggan. Souvent, il y a un petit traumatisme. Et puis, voilà, ça ne fonctionne plus, les jambes ne fonctionnent plus. Hein? Oui, diapo suivante, voilà. Après, une série de stimulations en central et en périphérique, on récupère la marche. Alors, bon, avant, si vous voulez, les terminologies, c'était ces troubles neurologiques qui n'avaient pas d'explication, on appelait ça hystérie, troubles psychosomatiques, somatomorphes,
psychogène, enfin, alors que très souvent, on ne retrouvait pas de facteurs déclenchants psychologiques, hein. Alors, cette jeune fille-là, elle a une démarche où elle a la jambe gauche complètement raide et la droite, elle est pliée, hein. Et puis, Donc vous il allez marche sur voir, des pieds droits. parce qu'elle a une jambe complètement raide, elle a une dystonie du pied qui est très, très importante. Hein, et donc, avec la stimulation, j'ai réussi à tout récupérer comme ça. Enfin, c'est. Des séances d'hier ont complètement transformé la situation. Tu vas nous faire une petite démonstration du coup. Et puis, et vous allez Justement, voir qu'elle a récupéré complètement. Elle avait une dystonie de la jambe, on ne pouvait pas la plier. Hein. Donc, vous pouvez mettre toute la force que vous voulez. Et les orteils étaient complètement en grippe et voilà, tout a été récupéré. Donc, j'ai passé mon temps à faire des vidéos. Alors là, vous voyez également, c'est des troubles de la marche qui datent de 6 mois. Elle venait de Reims et l'autre, elle venait de Marseille. Enfin, j'en avais un peu de toute la France. Et elle marchait plus malgré 6 mois de rééducation intensive. Et en plus, ce qui se passait, c'est qu'elle faisait des. Allô? Voilà, elle faisait des malaises. Alors. Avec moi. Donc, parce que ça, on voit ça souvent, hein, chez des malaises comme ça, dans les lairs, dans l'os. Ce ne sont pas des syncopes, ce sont ce qu'on appelle des crises non épileptiques. Hein, bon, moi, je suis crise dystonique, mais moi, je ne suis pas d'accord. Ce sont des crises non épileptiques et je vous expliquerai ce que c'est que les crises. Mon métier, c'était l'épilepsie, hein, pendant 32 ans. Et donc là, elle est dans un état de non-réponse, elle a les yeux fermés. Il y a un phénomène de déconnexion dans le cerveau. Donc, vous voyez cette paralysie, mais avec une hyperlaxité des membres qui. Je n'avais pas fait attention à cette époque-là, en fait, que ça pouvait traduire un syndrome d'hyperlaxité. Et la stimulation a permis de récupérer. Mais le drame de cette enfant, c'est qu'elle habite Reims. J'ai essayé de convaincre mes collègues du CHU de Reims de la stimuler. Elle avait notamment des problèmes vésicaux. Et quand on stimule la vessie, enfin, c'est un problème de capteur hein, dans les parois. Et donc le flux de vessie ne se faisait pas. Ça entraîne des pyélonéphrites à répétition. La vessie s'est tellement bloquée qu'ils ont été obligés de mettre les urètres à la peau. Voilà. Alors qu'ils auraient continué la stimulation, parce qu'ils étaient persuadés qu'elle devenait addict à la stimulation, mais c'est comme tout traitement, quelquefois il faut le répéter, hein, les médicaments, vous en prenez un le matin, puis éventuellement le soir. Là, quand vous stimulez, la durée d'efficacité de la stimulation, ça peut être quelques jours, ça peut être un mois, ça peut être un mois et demi, ça peut être 2 mois. Hein? Donc, mais ce n'est pas devenir addict le fait qu'il faut répéter la stimulation. Hein? C'est simplement comme dans la focale, c'est pareil. Hein? Voilà. Donc, et il y a le concept de trouble neurologique fonctionnel qui est apparu. Moi, j'ai commencé en 95 et le concept de trouble neurologique fonctionnel est apparu en 2012. C'est les Anglais qui ont commencé à s'intéresser à ces patientes. J'appelle surtout ces patientes, hein, parce que c'est plus des femmes que des hommes. Donc, qui se sont aperçus que voilà, le pronostic d'abord était mauvais, hein, parce qu'il n'y avait pas de médicaments, et qu'il n'y en avait que 15 à 20% qui s'amélioraient, les autres restaient stables ou s'aggravaient. Et que souvent, il n'y avait pas de facteur psychologique vraiment déclenchant. Et donc, il ne fallait plus appeler ça psychogène. Bon, alors, ça a été un grand changement, surtout qu'ils ont mis en évidence. Alors, vous voyez, ça peut faire plein de symptômes, ça peut faire des mouvements normaux, des troubles de la marche, des crises non épileptiques, qu'on appelle psychogène, mais moi, je n'appelle plus psychogène, les paralysies, les troubles cognitifs, troubles de mémoire, de concentration, fatigue. Et puis réaliser de la douleur et des tableaux de fibromyalgie. Donc, en fin de compte, si vous voulez, vous pouvez mettre tout ça chez le CED. Hein, c'est ce que je veux dire, vous avez tout. Hein. Et donc,
Mais ils ont mis en évidence chez ces patients-là, par principe, il n'y a pas de lésion. Hein. Donc, toutes les IRM sont normales, scanners, donc c'est pour ça que on les envoie. Quand il n'y a pas de lésion, on les envoie. Bon, on prenait un peu pour un extraterrestre, mais on envoyait les malades quand même. Mais parce que très souvent, ça les améliorait. Et le problème, c'est qu'effectivement, on voyait souvent des anomalies dans la jonction temporo pariéto-occipitale. C'est la région qu'on appelle de agentivité, c'est-à-dire que c'est la région qui fait que quand vous faites un mouvement, vous savez qu'il vous appartient. Mais quelquefois, ils font des mouvements comme ça. Il y a des sets qui ont des mouvements anormaux de ce type-là, assez brutaux. Il est évident que le malade sait que ce mouvement ne lui appartient pas. Donc, il y a une hypoactivité de cette région temporo-pariéto-occipitale, c'est la jonction. Mais en fait, si vous voulez, ça ne veut pas dire que quand vous avez une anomalie en IRM fonctionnelle, le problème, ça ne veut pas dire que ça vient de là. Ça peut, le trouble peut venir d'ailleurs, et moi, mon idée, c'est que ça vient des capteurs proprioceptifs. Encore un lien avec le SED. Hein, et que le fait qu'il n'y ait pas assez d'informations proprioceptives qui arrivent dans le cerveau fait que ça peut dysfonctionner dans différents territoires et entraîner des symptômes. Hein, il faut bien comprendre que, après toutes ces années de neurologie, et vu mon âge, j'en ai un certain nombre, je n'ai jamais entendu parler de capteurs proprioceptifs. Ça peut vous étonner. Mais ce que je veux dire, le cerveau, il fonctionne avec ça. C'est-à-dire que s'il n'est pas informé correctement de ce qui se passe dans le corps, il fait un peu n'importe quoi. Bon, c'est pour ça que vous cognez dans les portes, les meubles, parce que vous voyez la porte, mais le cerveau, il ne sait pas où est le corps. Bon, donc, on imagine ce qui peut se passer. Hein. Donc, quand même, ce que je veux dire, avant, on appelait ça hystérie. Alors, il a fallu 2000 ans pour mettre le problème de l'utérus mobile d'Hippocrate à mettre dans le cerveau, c'était l'intuition de Charcot, par exemple. Bon, effectivement, moi, quand j'ai dit que c'était probablement les capteurs, c'est-à-dire que je faisais une double révolution copernicienne et je remettais ça en périphérie, mais quand même dans le cerveau, pas dans l'utérus, ça a été pas complètement accepté. Voilà. Donc, il y a eu des articles publiés. Plusieurs hein, dans la littérature internationale, et la Salpêtrière, qui est pourtant la Mecque de l'hystérie, donc qu'elle se soit intéressée à ça, c'est normal. Ils ont repris la technique une dizaine d'années après. Un jour, ils ont, en faisant une simple stimulation magnétique, ils ont guéri un quadriplégique. Hein, ça peut, quelquefois, ça peut être aussi simple que ça. Bon, et ils ont fait des études là-dessus, ils ont reconnu l'efficacité. Mais il pensait que c'était plutôt une technique un peu de type cognitivo-comportemental, parce que le malade voyait en stimulation que le membre bougeait, donc voilà. Enfin, mais quand je leur ai dit, ça fait 5 ans, parce qu'il y a un groupe trouble neurologique fonctionnel dont j'ai participé à la création, mais j'ai été blacklisté parce que j'avais des vues un peu particulières, notamment le fait qu'il y a 5 ou 6 ans, j'aurais dit que presque tous les malades qui avaient des troubles neurologiques fonctionnels étaient des syndromes d'hypermobilité. Alors déjà, on m'a dit c'est n'importe quoi. Et quand je me suis mis à faire la stimulation périphérique, qui me paraissait encore plus efficace que la stimulation centrale, bon, là, j'ai carrément franchi les clous de façon excessive. Mais maintenant, ce que je veux dire, c'est reconnu que la première comorbidité entre les troubles neurologiques fonctionnels, la première comorbidité avec les troubles neurologiques fonctionnels, c'est les syndromes d'hypermobilité. Alors maintenant, ça y est, ils ont admis que c'était ça, mais ils ne se posent pas la question de savoir quel est le sous-jacent de cette comorbidité. Alors, bon, le sous-jacent de la comorbidité, c'est simplement qu'il y a un dysfonctionnement des capteurs proprioceptifs, ça je ne vous l'apprends pas dans le SED, et qui entraîne le fait que le cerveau est mal informé. Et si vous avez une extinction de vos capteurs proprioceptifs dans les jambes, ben vous êtes paraplégique.
Hein? Moi, j'entends quelquefois qu'il y a des gens qui, des patients qui vont dans les centres de référence, Garches, et quand ils sont parapéchiques, on va leur dire il y a probablement une myopathie associée. Enfin, c'est complètement du délire, quoi. Donc, c'est simplement que les capteurs des jambes ne fonctionnent plus et il faut essayer de les réactiver. Le problème, c'est que plus vous attendez, plus c'est difficile à réactiver. Hein? Mais je vais vous montrer. Montrer cet exemple-là est assez particulier pour vous montrer comment ça fonctionne. Parce que dans les troubles neurologiques fonctionnels, il y a deux termes importants. C'est d'abord l'incongruence et l'inconsistance. L'incongruence, c'est que le malade, et c'est pour ça qu'on ne le considère pas comme un malade neurologique, il se permet de ne pas respecter la systématisation neurologique. Hein? C'est-à-dire que cette patiente-là, qui a un tableau depuis l'âge de 3 ans et fait des paralysies faciales presque permanentes, quelquefois ça passe à gauche, mais c'est essentiellement à droite. Bon, donc on dit paralysie faciale, mais deux particularités, c'est qu'elle a une anesthésie totale. Le nerf facial, c'est un nerf moteur. Si vous avez une anesthésie totale, ça ne va pas. Hein, le neurologue, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait qu'il y ait une atteinte du trijumeau en même temps, c'est compliqué. Hein, et puis, autre chose, c'est que elle pouvait pas fermer les deux yeux. Essaye de fermer les yeux là. Tu peux pas du tout. Donc là, on est complètement paumé. La systématisation. Les parents étaient obligés de mettre des scotch ou enfin des trucs collants pour que les yeux fermaient la nuit. Et troisième. Essaye de fermer. Et chose supplémentaire, c'est que elle pouvait pas bouger de son pied gauche. Avec Bon, la vidéo n'est pas le très bonne, relais, mais le pied c'est droit, il fonctionne très bien. la même chose avec le pied droit. Donc, et le pied gauche, vous voyez, il fonctionne. Alors, comme c'est en plus une passionnée de foot, hein, donc j'ai réussi à récupérer le pied. Ah non, excusez-moi, je n'ai pas l'habitude avec ça. Donc, pour récupérer le pied, ce n'est pas en stimulant là-haut qu'il faut faire, c'est en stimulant le pied lui-même. C'est mon désaccord avec les gens de la salpêtrière. Hein, le patient n'a pas besoin de voir le mouvement. Il faut simplement stimuler les capteurs du pied pour qu'ils se reconnectent au cerveau. Et une fois qu'ils sont reconnectés, le cerveau va pouvoir recommander secondairement. Donc, il faut d'abord réparer la proprioception, que le cerveau soit informé. Et il peut recommander. Et donc, après, bah, que je veux dire, bah voilà, ça donne ça, hein, c'est-à-dire sur la table, Donc, le tu as pied qui ne bougeait refait pas, le pied droit en toute vous vitesse. voyez, il rebouge correctement. Le C'est tout bête, hein, ce que je vous montre, mais j'ai un peu de mal. Et donc, là, c'est pareil, pour la joue, il a fallu que. Je stimule très fort. Oui, mais j'arrive pas. Hein. Enfin, je suis obligé de. Je suis désolé parce que. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai dû stimuler la joue de façon très intense pour que elle puisse sentir à nouveau et que après, voilà, elle recommence à avoir un sourire. Et referme les yeux. Voilà, donc c'est en stimulant essentiellement sur les yeux, il n'y a pas de danger, sur la joue, qui est toujours un petit peu, j'ai jamais récupéré une sensibilité tout à fait normale, et puis, bah voilà, son pied, elle adore le foot, son pied gauche, son pied droit qui ne marchait plus, vous voyez, qui ne marche pas si mal que ça. Hein? Donc, et tous ces gens-là ont soit des SED, soit des troubles du spectre de l'hypermobilité. Hein. Donc, les paralysies, c'est lié souvent au fait que les informations ne montent pas au cerveau. Hein. Alors, on va continuer. Celle-là, vous voyez qu'elle a son pied qui le traîne comme un boulet. Donc, on voit qu'il y a une hyperlaxité, puisqu'elle est capable de détendre les tendons de la cheville. À ce point-là, et le seul moyen, ce n'est pas la stimulation centrale qui va récupérer le pied, c'est la stimulation périphérique
Hein, parce qu'elle était incapable de savoir où était le gros orteil, en haut ou en bas. Après, elle sentait plus rien. Il y avait une anesthésie en plus. Et puis donc, mais je ne peux pas accélérer la vidéo. Donc, on est obligé de passer tout. Pardon? Oui, voilà. Donc, on va mettre la puissance maximum sur la bobine, parce que comme elle sent rien, je suis obligé de mettre deux condensateurs 100% et une grande fréquence. La fréquence est faible, elle sent pas encore. Normalement, ça devrait lui faire très mal. Hein? Et puis, là, j'ai monté la fréquence. Et voilà. Alors, moi, je suis content quand je fais mal à mes patients. C'est-à-dire que, si vous voulez, elle a récupéré la sensibilité. Hein? Donc, l'information remonte. Oui, vous ne dites pas. Hein? Et donc, vous voyez qu'elle a récupéré, ça marche. Hein? Mais si vous voulez, vous pouvez regarder sur mon site. Là. Il y a les neurologues de la guerre de 14, ils y allaient directement à l'électricité, parce qu'il faut savoir que durant la guerre de 14, ils faisaient les mêmes vidéos que moi, ils n'avaient pas de smartphone. Hein? Le trouble post-traumatique de la Grande Guerre, c'était des troubles neurologiques fonctionnels. Et j'y allais à l'électricité, mais ils montaient le résultat parce qu'il fallait que l'électricité traverse les tissus et atteigne probablement les capteurs. Tandis que là, vous passez par l'intermédiaire d'un champ magnétique, ça change tout. Parce que le champ magnétique, il traverse tous les tissus et il va créer le courant au niveau des capteurs. Les capteurs ont une formation, enfin une forme ronde. Un champ magnétique variable dans un circuit fermé, ça crée un courant. Donc, vous créez le courant là où vous voulez qu'il soit créé. Donc, effectivement, le malade, il sent un peu le courant, mais à une intensité beaucoup moindre que si vous y allez directement à l'électricité. Vous voyez que même, par exemple, cette patiente-là, vous voyez qu'il y a un lien encore avec les syndromes d'hyperlaxité. Hein, après une marche importante, les tendons internes du genou se sont complètement relâchés. Le simple fait d'aller stimuler les tendons, c'est-à-dire qu'on arrive avec la stimulation à retendre les tendons. Il y a des capteurs dans les tendons. Vous stimulez les capteurs, ils vont informer le cerveau et en retour, le tendon va se retendre. Hein. Vous voyez? D'accord. Donc, alors, même cette patiente-là, par exemple, elle avait une démarche, alors le neurologue était incapable de l'analyser, là. Je ne sais pas comment vous l'analyseriez. Mais en fin de compte, elle a une espèce d'instabilité articulaire. Hein, c'est lié à une instabilité articulaire, à la fois de la hanche, à la fois des genoux. Hein, et le fait d'aller stimuler les tendons, que je passe à la vidéo suivante. Voilà. Merci. Je vais marcher ça rapidement. Voilà, revenez. Donc, vous voyez qu'il y a une différence. Hein. Voilà, donc vous avez retendu les tendons et voilà, ça. Ouais, je vous parle aussi des stimulations que tu fais au niveau digestif. Alors, sauf que là, je n'ai pas tellement de vidéos du tout. L'expérience. Alors, non, mais simplement, mon expérience, c'est que comme presque tous, ce sont des syndromes d'hyperlaxité, mes patients, mais je l'ai su après. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 20 ans, j'ai compris ce que je faisais, ce qu'avaient mes patients. Il a fallu, et c'est grâce au CED. Hein, c'est-à-dire que j'ai vu des patients arriver de la santé. Qui venaient me voir avec des paralysies, avec des malaises, dont je vous en parlerai, des crises d'un épileptique ou des dystonies ou des trucs comme ça.
Donc, je me suis dit, mais c'est... Puis des fibromyalgies aussi, parce que... enfin, des tableaux de fibromyalgie, parce que c'est... Et donc, je me suis aperçu que c'était exactement la même chose que mes patients à moi, que je qualifiais de troubles neurologiques fonctionnels. Donc, j'ai fait le lien, parce que quand mes patients que j'avais qualifiés de troubles neurologiques fonctionnels, je leur faisais faire les questionnaires et ils matchaient presque tous à 8 sur 10, quoi. Hein? Et donc... Dans le SED, vous savez qu'il y a des troubles vésicaux parce que les capteurs de la vessie vont informer que la vessie est pleine alors qu'elle n'est pas pleine. Donc, ça va perturber complètement la circuiterie, ça va créer des infections urinaires, des pyélonéphrites, des trucs comme ça. J'en ai une, je l'ai sauvée de la dialyse, hein, parce que je stimule la vessie en posant simplement la bobine, là, comme ça. Je prends la bobine, je fais comme ça. Et je stimule la vessie. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Je règle l'intensité, la fréquence et tout ça. Le tube digestif, je vais sur la constipation, ça marche très bien, hein. Donc vous stimulez comme ça. Vous stimulez le thorax parce que vous avez presque toujours les problèmes respiratoires. Quelquefois les patients disent j'ai de l'asthme, mais en fin de compte c'est un pseudo-asthme. Et vous stimulez, c'est la cage thoracique qui est bloquée. Hein, donc il faut stimuler le diaphragme, il faut stimuler la cage thoracique, et après ils se mettent à respirer. Moi j'en ai qui ont des toux absolument chroniques. Les pneumos n'arrivent pas du tout à comprendre d'où vient cette toux, que j'arrive à calmer en stimulant le thorax. Il y en a qui ont des troubles de déglutition ou des troubles des cordes vocales, vous stimulez ici. C'est-à-dire que vous allez stimuler là où ça dysfonctionne, quoi. Hein, c'est pareil, on verra sur les troubles oculomoteurs si. Pardon? Non, mais tu me dis quand est-ce que j'arrête, hein. Parce que sinon, on n'y passe l'après-midi. Hein. Je vais vous montrer quelques petites choses. Je ne me suis pas trompé de vidéo. Hein. Vous voyez, j'ai plein de malades comme ça qui font des choses un peu bizarres. C'est-à-dire qu'ils poussent le corps de façon excessive, quoi. C'est-à-dire qu'ils vont jusqu'au bout, c'est jusqu'au boutiste, hein. Ils peuvent pas être comme moi dans mon fauteuil tranquille à lire le journal. Et brutalement, ils se réveillent, les deux jambes paralysées et un bras. Alors, le neurologue, là, il est paumé. C'est pareil. C'est vrai qu'en plus, les malades, ils sont pas sympas. Enfin, ils mettent les neurologues dans des situations difficiles parce qu'ils comprennent pas le neurologue. Hein? Et donc, elle a eu 6 mois de rééducation. Vous voyez, c'est pas très efficace. Et donc, quand elle était prise après plusieurs séances de stimulation magnétique, Allez, elle a pu remarcher. Maintenant, elle refait de la danse. Allez, C'est pareil. Celle-là, bon. Je peux avoir un abonnement dans West France. Elle faisait beaucoup de handball et elle avait une paraplégie. Hein. Bon, et puis le problème, c'est que ça durait 15 jours et que. Mais à chaque fois, c'est comme ça. Bon, alors, je ne vais pas trop parler. Quelquefois, il y en a qui achètent des petites machines bon, qui peuvent aider. Puis, vous voyez, bon, elles font des trucs complètement invraisemblables. Là, c'est du breakdance. C'est-à-dire, les capteurs fonctionnent mal, elles sentent même plus les chocs quand elles tombent. Et donc, elles peuvent faire ça, elles ne sentent pas la fatigue. Elle va jusqu'au bout de ce que son corps peut faire. Et puis, à un moment donné, le corps, il dit non. Enfin, c'est mon interprétation, je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Mais là, vous voyez, dès qu'elle se met en tension, il y a des. Elle est complètement raide et marche à la pékinoise. Hein. En plus, elle fait des malaises. Là, ça fait depuis la veille au soir, elle était dans un malaise d'état de non-réponse avec des clignements des paupières. Vous pouvez lui parler, lui demander de lever bras, elle peut rien faire. Donc, on la stimule. Là, vous voyez qu'elle a changé de. Donc, je viens de faire la stimulation magnétique. Elle était en état de malaise. Avec clignement des paupières depuis hier soir. Et comment tu te sens maintenant? Très bien. Très bien. Normal. Elle a rebouché les bombes normalement. Très normal. Puis marche normalement. Alors vous voyez, je vais vous montrer aussi encore juste parce que tu me dis hein, quand j'arrête.
Là, pardon. Voilà. Donc vous voyez que bon, mais comme elle en faisait beaucoup, ça déclenchait des malaises plusieurs fois par jour comme ça, quoi. Alors qu'est-ce que c'est que ces malaises-là, hein, parce que de crise dystonique, mais c'est pas, c'est, ce sont des crises non épileptiques. Hein. C'est-à-dire l'épilepsie, vous avez une des paquets de neurones qui déchargent de façon synchrone. Et donc, ça donne effectivement souvent des trucs comme ça. Mais là, c'est le manque de stimulation proprioceptive qui fait que vous avez des déconnexions dans le cerveau, hein, notamment troubles de mémoire, troubles de concentration et fatigue. Hein, et y a des cerveaux, des parties de cerveau qui peuvent être déconnectées de l'environnement. Donc, ça ne va plus être contrôlé. Et ça peut donner des crises comme ça. Donc, la stimulation, rien que le fait de stimuler en périphérie, en centrale, et l'oxygénothérapie est un point essentiel, parce qu'il n'y a pas de traitement, et on dit que c'est pire que l'épilepsie, vous n'avez pas de médicaments pour ça. Hein? Donc, bon, là, je ne vais pas vous montrer l'effet du... Pour passer à comme ça, tu la vois tous les combien Celle-là, je suis obligé de la voir tous les mois et demi. Hein. Elle avait été vue par le grand centre de référence de la Salpêtrière sur les troubles neurologiques fonctionnels et les crises non épileptiques, mais ils n'ont rien à proposer, quoi. Tandis que maintenant, tous les mois et demi, parce qu'il y a une fatigue chronique, hein, qui est associée. Ce que je veux dire, regardez celle-là. J'en ai encore pour 30 secondes. Voilà. Vous voyez que j'ai des malades un peu particuliers quand même. Vos patients, vous les voyez régulièrement ou c'est fini pour ceux qui avaient des troubles de la marche? Ah non, ça dépend. Parce que par exemple, celle-là, est venue de Périgueux. Hein. Attendez. Voilà, hein, donc ça faisait 4 mois qu'elle était paralysée, elle faisait du cirque. Vous allez l'aider, il faut la mettre sur le lit. Ah, vous voyez, elle est totalement. Et puis, le lendemain. Mais c'est ce que je veux dire, il y en a plein, enfin, il y a un certain nombre où ça ne marche pas. Parce que, notamment, quand ça date depuis très longtemps et que les capteurs sont éteints. Hein. Donc, elle s'est mise à marcher normalement. Et là même, moi, ça m'a beaucoup touché parce qu'elle m'a envoyé. Elle a fait un spectacle de oh oui, mais je bon, elle a fait un spectacle de cirque pour me remercier, enfin, et alors juste pour peut-être parler d'une chose importante et on va arrêter là. Donc là c'est aussi elle faisait celle qui faisait le capua, elle faisait des grandes crises d'un épileptique la nuit. Là c'est une de, alors, non, je vais vous montrer un patient sur la fatigue. Essaye de... Parce que c'est une histoire assez extraordinaire et ça va vous expliquer peut-être un petit peu la fatigue. Voilà ce patient-là, je l'ai vu à l'âge de 10 ans. Alors, Ulrich. Alors, il avait fait un malaise à 9 mois, comme quoi les troubles, ça peut commencer très très tôt. Hein. Un espèce de malaise qui a duré un mois où il a été nourrisson, hein, je m'en suis occupé, je ne comprenais rien. Je l'ai croisé un jour à l'âge de 10 ans et quand il montait un escalier, un étage, il faisait un malaise. Et donc, c'était pas moi qui m'en occupais, mais c'est pas grave, j'ai dit on me l'amène à la simulation parce que je ne vais pas le laisser comme ça. Et là, je l'ai stimulé, il a monté 2 fois 8 étages. Il a appris, il n'avait jamais été à l'école, hein, parce que sa mère, elle m'a dit à 9 mois, on m'a rendu un légume, enfin, c'était son expression. Hein, et il était resté complètement amorphe pendant. Et là, je suis obligé de le voir. Mais je le stimule tout le corps. Ce qui est étonnant, c'est qu'en stimulant le corps à haute intensité, je le réveille. C'est-à-dire que c'est même pas la stimulation centrale qui le réveille, c'est la stimulation périphérique. Et puis après, le central ajoute. Donc,
En stimulant les capteurs, vous stimulez le cerveau et il se réveille. Et juste pour le mot final, d'abord, vous voyez que ça ne l'a pas empêché de grandir. Il est devenu électricien. Bon, je ne sais pas si c'est... Pardon ? Voilà. Et il est champion de France de vélo-polo. Alors que c'était, comme dit sa mère, un légume jusqu'à l'âge de 10 ans. Elle est persuadée que si elle n'avait pas été stimulée, il serait en chaise roulante. Bon, alors, simplement, il faut savoir qu'il faut, si possible, ne pas tarder, parce que plus on attend à faire ces stimulations, après l'apparition des symptômes, plus c'est difficile, en moyenne. Merci pour cette belle présentation.